Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être assez courte. Hier soir, eh bien, je vous ai sorti une vidéo sur l'arrivée de la neige, le contenu de Noël, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment à part. Dans celle-ci, eh bien, je vous disais que, de mon point de vue, ça sortait jeudi avec les promotions, bah, ce qui me semblait logique, encore une fois, à voir si c'est pas demain, mais je ne pense pas. Et aujourd'hui, eh bien, Rockstar Games nous ont fait un petit communiqué de presse par rapport à la nouvelle clé USB qui est disponible, eh bien, dans GTA Online. Je vous ai fait la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez envie de récupérer cette petite clé USB. Vous avez plusieurs musiques, donc vous avez les musiques de Caillou Perico, du DLC du Contra, enfin bref, de l'arène, etc. Il y a vraiment plein de trucs si vous en avez envie, et c'est vraiment bah, cool, en vrai, c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est pas des nouvelles chansons ou quoi que ce soit. Donc dans ce petit communiqué de presse, du coup comme je vous ai dit, eh bien c'est vraiment axé sur la clé USB avec DJ Pooh. Et quand on va tout en bas, c'est là que ça nous intéresse à vrai dire, eh bien Rockstar nous dit tout simplement, dans les semaines et les mois à venir, nous sommes impatients de vous présenter bien plus sur GTA Online, case 2 au vol. Surveillez les surprises saisonnières, donc surprises festives comme d'hab, plus tard cette semaine, et c'est là que c'est bien et que ça nous intéresse encore une fois, ainsi que de nouveaux véhicules, très bien on s'en doutait, et aussi des nouveaux contrats de vol. Donc c'est bien que ça arrive là ce jeudi, et pas dans un mois, etc. comme on a eu l'année dernière avec le DLC Drug Wars qui sont vraiment étalés un maximum à vrai dire. C'est vrai que c'était pas non plus très ouf d'avoir à chaque fois... Bah, on a vu l'émission au lancement du DLC, on a eu le garage de Eclipse Boulevard un mois après je crois, pareil pour l'Alpine, enfin c'était un peu n'importe quoi. Donc là c'est vraiment des nouveaux véhicules, donc ça ne sera pas qu'un seul visiblement. Ensuite du coup on devrait sûrement avoir la Bravado, Bravado Interceptor, voilà, la voiture de police, la Dodge, donc voilà, et après on a vraiment des événements qui vont arriver. Je vous invite à aller voir la vidéo de hier par rapport au contenu de Noël, donc la surprise festive, etc. Mais là c'est vraiment bien qu'on ait vraiment pas mal de nouvelles choses aussi qui arrivent jeudi, donc notamment ces nouveaux contrats, des nouvelles voitures et, comme ils nous disent, bien plus encore. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était vraiment à titre d'information comme d'hab, et puis voilà. Ben, je vous fais des vidéos quand il faut et quand il y a des infos à vous donner. Et puis écoutez, j'espère vous retrouver très bientôt en tout cas. Je vous dis bon game sur GTA Online. C'était BGK, merci à vous, ciao tout le monde.